Lecture de la Bible, le livre de Job, chapitre 2. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu ? » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étant ta main touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tessan pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudis Dieu et meurs. » Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Et quoi ? Nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal ? » En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Trois amis de Job, Éliphaz de Théman, Bildad de Shuach et Tsophar de Naama, apprirent tous les malheurs qui lui étaient arrivés. Ils se concertèrent et partirent de chez eux pour aller le plaindre et le consoler. Ayant de loin porté les regards sur lui, ils ne le reconnurent pas. Et ils élevèrent la voix et pleurèrent. Ils déchirèrent leurs manteaux et ils jetèrent de la poussière en l'air, au-dessus de leur tête. Et ils se tinrent assis à terre auprès de lui, 7 jours et 7 nuits, sans lui dire une parole, car ils voyaient combien sa douleur était grande. C'était votre lecture quotidienne de la Bible proposée par le Centre Média Adventiste. Disponible en replay sur cma.adventiste.pf.